déjà comment il s'appelle? Loustic. Okay. Bon là il a 18 mois. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi vous êtes là? Donc par rapport à son agressivité par rapport aux étrangers, ouais. Certains étrangers on va dire, et ce qui est dramatique aussi c'est par rapport aux enfants qui croient vraiment être je sais pas supérieur aux enfants quoi, on va dire. Et ouais. Après certains jours, certaines fois, ils se comportent agressivement quoi. Et à quoi vous le voyez? Vous avez des enfants dans... surtout par rapport à moi, mes voisins. Ou dans la rue, quand on est dans la voiture, ou quand ils voient des enfants crier ou quoi, ça l'excite. Et en fait, ils s'énervent, même soit par rapport à mes voisins, ils sautent sur le grillage, enfin, ils n'arrêtent pas d'aboyer, tout ça. Bon, il n'a jamais mordu personne. Non. Pour l'instant, je ne touche pas. Non. C'est moins de l'agressivité, je ne sais pas si c'est de la peur. Voilà, peur, je pense pas. Non. Il est adorable. Il n'a pas l'air d'être trouillard. Il était comment, petit? Oh, il allait vers tout le monde, on l'emmenait partout. C'est bien passé. Hein, mais il avait quand même l'histoire de dominance aussi. Il y avait des signes déjà ou pas? Oui, oui. Ouais. Il nous sautait beaucoup dessus, mais des fois on ressentait plus la dominance que par excitation, pas pour jouer ou pour. Là, le côté chiot, de se rouler, tout ça, c'est encore parce qu'il est jeune, il n'est pas passé encore de l'autre côté. Voilà, ouais. Enfin, il n'y a rien de grave, c'est un chien de garde quand même. Hein. Ouais. Donc, bon, il voit un homme, on sait. Bon, oui, ça, c'est... à la limite, à la limite. Vers les hommes, hein. Là, pour le moment, bon, ça va, il n'y a pas de signe. Si je le dérange pas pour l'instant, bon, il s'intéresse à moi, mais il n'y a pas de... Qu'il y en a, il pourrait déjà m'agresser juste au fait que je sois là en train de vous parler. D'accord. Donc on n'en est pas là déjà. Mmh. Donc moi déjà, ça me permet de voir le niveau et de voir ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas adapté à lui chaque fois où je vais. Il y a une fois, ils ont mis le collier à pic, ils ont traumatisé le chien, ils n'ont même pas vu son comportement. Il était gentil en plus, il était petit. Hein. Il gueulait à la mort. Et depuis, si on essaie de lui remettre un collier à pied, moi il ne me dira rien, mais par contre, à vous, il va vous faire savoir. Et donc je l'ai enlevé. Après, je l'ai emmené quelque part d'autre, mais bon, il n'y avait pas trop de chiens, c'était dans un club, ils étaient tous excités, lui, il était paniqué, il n'était pas bien. Et moi, je n'avais pas la force au bout d'un moment, on relâche, hein, j'étais toute seule avec. Bon, et j'ai appelé 2-3 autres, mais c'était pas. Je ne me sentais pas trop quoi. Je préfère plus la méthode, on va dire douce. Ouais, on y va tranquille. Je lui remets le collier il n'y a pas longtemps, sinon il avait un collier à pic, en cuir. Mmh. Je lui ai mis ça parce qu'on m'a dit de mettre ça, mais bon, au final, je m'en sers pratiquement pas parce qu'il n'est pas souvent attaché. Hein. Pour vous avouer. Là, t'as vu la main, là, il dit rien. Devant, comme ça. Ça, c'est quelque chose qui peut-être on pourra plus faire après. Oui, ouais, faire ça. Parce que ça, généralement, il grogne apparemment. Personne. Mais si vous voulez, je respecte les règles, c'est-à-dire vous l'auriez lâché, etc. C'est-à-dire que dans son fonctionnement, hein, ouais. Il arrive, vous le lâchez, ça veut dire t'es libre, fais ce que tu veux en fait. Ah, tandis que là, voilà, là, on lui fait comprendre que petit à petit, il est dans un endroit, mais dans un endroit, il y a des règles, etc. Et petit à petit, on va l'amener à ce qu'on veut. Le but, ce que j'aimerais, c'est que déjà, on voit un peu tous ses défauts, etc. Qu'on puisse prendre le contrôle, régler le problème de la petite niaque qu'il y a, bon, il n'y a rien de sorcier, mais bon, on va voir si ça ressort un peu plus. Et le but, c'est qu'on aille faire un petit tour en ville, quoi. Ouais. Vous voyez? Alors... Marche au pied, tranquille. Le but, c'est ça. Je ne sais pas si on va y arriver à la fin. Le but, c'est qu'on fasse ça. Si on arrive à faire ça, après, si vous êtes sérieuse dans ce que je vais vous dire, il n'y a rien de grave. Hein. Ouais. Mais il faut le faire, quoi. Il y a un moment, bon, il faut juste se dire soi-même, bon, allez, je passe à autre chose. Et le chien, d'un coup, il prend sa place de chien et il n'y a plus de problème. Parce qu'après, vous ne pourrez plus aller chez le veto, vous ne pourrez plus rien faire. Truc, au pire des cas, oui. J'en ose plus déjà. Non, mais faut pas avoir peur, hein. Vous le contrôlez. Si déjà vous avez peur alors qu'il n'y a rien, vous voyez. Et puis vous le caressez et tout. Non, vous voyez, on va revoir les choses. On va revoir les choses et lui, d'un coup, il va changer. Ouais. Mais là, il est entre enfant, chien, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est un chien pour faire la guerre, hein. Pas pour faire l'amour. Donc là, il faut juste un peu. C'est pas dur, mais dans son comportement, il faut être clair. Il faut être clair et d'un coup ça devient un gentil chien qui est maîtrisé, il n'y a pas de problème. Mais il a un caractère, il ne faut jamais se dire il est brave. Parce que au début le réflexe de dire bon je le lâche, ça va bien se passer, ça se trouve ça part en vrille totale. Parce qu'il sait pourquoi je suis là, parce que ça sent le chien. Parce que d'un coup ses instincts ils vont revenir quoi. Non, c'est jamais parce que là. Couché. Pas bouger. Stop. Ça va, ça va. Cool.
Vu des réactions quelquefois qu'il a eues, j'ai plus confiance en lui. De toute façon, et j'ai plus confiance en moi-même. Thank you.